Ah non, ouais, voilà, c'est fermé d'air. Ok, top. Je vais pas beaucoup parler. Je vais focus. Voilà, l'objectif pour moi, ça va être juste de terminer les rounds. Je joue super safe. Et puis, bah voilà, tout simplement. Allez, go. Là, c'est l'échauffement. Et ça va pas tarder, voilà. Ça va pas tarder à commencer, j'allais dire, mais c'est... Surtout, faut pas que je fasse ça en run. Et en plus, là, je le refais. Ok, ça c'est le truc à ne pas faire. Ça me va très bien de le faire en échauffement. C'est juste ce qu'il faut pas que je fasse en run. Salut Pino, bon courage. Merci Matt pour ton message, ça fait super plaisir. Et bah écoute, là on est dans l'échauffement, ça va commencer, voilà, juste à la fin de cet échauffement. À partir de maintenant, voilà, ça commence. Merci pour ton message, Matt. Allez, GLHF à tous. Et bonnes ZRT. Ok, ça commence bien. Ok, ça va. Ok, 25. Bon, en sachant que là, je me suis loupé deux fois sur le transfert et sur le start. Donc, ça va encore. Kenny, troisième. Bon, certes, on a fait qu'un run, mais visiblement, il s'est pas mal entraîné, le petit Kenny. Oh non, le no drift, ça va. Oh encore! Non mais deux fois d'affilée! Mais là j'ai peu de FPS là, je sais pas pourquoi. Ça fait comme les autres années. Ok, dixième, pas mal. Faut faire top combien pour passer cette phase de qualif? Je crois qu'il faut faire top 80 ou 85 ou 75, un truc comme ça. Tu le vois en haut à gauche, il y a 98 joueurs, tu le vois ici. Normalement ça devrait passer, hein. Le premier tour c'est plutôt easy. En fait, il y a entre 60 et 70% de joueurs qui sont présents. Donc entre 30 et 40% qui sont pas là. Ce qui fait qu'on aurait dû être 100 et quelques, 150, 160 je crois sur le serveur. Et au final... Et bah là, on est même pas 100. Donc ça devrait aller. Hein. Oh la connerie. Ok. Dommage, j'avais un bon start là. C'est pas grave.
Oh là là. Je fais full no drift. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ah, je touche le mur. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est sûr que son entraînement c'est pas top. 19ème, j'ai eu de la chance de choper l'arrivée là. Ça va, c'est large, mais moi j'aurais pu passer les qualifs. Easy pour toi. Ouais, ça devrait aller. Après, faut pas oublier que j'ai pas d'entraînement. Hein. Donc, on va pas trop faire les malins quand même. Mais bon, c'est vrai que ça devrait aller quand même. J'ai pas du tout d'entraînement. Hein. C'est pas comme les autres années où c'était plus. Où j'étais plus entraîné, plusieurs heures et tout. Même si là j'ai plus de FPS, c'est pas pareil quand même. Mais bon, oui, ça devrait passer. Après, faudrait déjà réussir ses starts, quoi. Horrible, horrible, c'est horrible. Et je suis 10ème, incroyable. Ok, là je vais clairement plus être 10ème. Là voilà, 14. Là je vais sûrement encore en perdre des places. 18. Ouais, bah j'en ai gagné une, c'est étonnant. Oh non, sérieusement là. Oh, ça c'était... Oui. Je sais pas pourquoi j'ai tenté... Oh, le choke. Voilà, voilà. Voilà. Le choke du no train. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, le choke du no train. Bon, du coup, là, je sais pas combien je suis. Je sais pas où on voit avec le nouveau Trackmania combien je suis. Je pense que je vais faire tab et dérouler. Bon, Raymontagne, c'est une map que j'arrive à safe en général. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Ah là, 19ème. Ok, nickel. Ça va, 19ème, c'est plutôt cool. Donc, ouais, c'est une map que j'arrive pas trop mal à safe. Donc, ça devrait aller. On verra, hein, évidemment, mais ça devrait être ok. Par contre, les chargements dans ce jeu, c'est vraiment long. Ok, ça. Matt en train de jouer à Trackmania. Matt qui était dans le chat. Oh là là. Ok, bon. En gros, il faut que je réussisse juste à ne pas me prendre de mur ou quoi. Si je me prends pas de mur ou quoi, ça passera bien. Je suis toujours là, t'inquiète, double écran. Excellent, excellent. Nice, ça, Matt. Putain, j'ai trop chaud, par contre, c'est horrible. Allez, GL. C'est mauvais. C'est bon. Oh
Oh non, je voulais safe, j'ai trop safe. Je suis allé trop à gauche. Quel dommage. Oh là là, 20ème, 21ème. Oh, j'ai perdu 12, 13 places. Quelle tristesse. Pour une fois que j'avais un bon start. Dommage. Le jump situe le Regu, t'es assuré de faire une bonne place. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se loupent sur ce jump, quoi. La connerie. La bêtise. J'ai démarré une seconde en retard. Oh dommage. Oh non. Sérieusement. Pourquoi j'arrive pas à faire un run clean? La pression ou comment ça se passe là? Allez, c'est pas grave, on continue. Tous les serves sont occupés par la compète, impossible de train. Oui, impossible de train. Ils ont coupé tous les serves vers 15h30, je crois. Ils les ont remis vers 16h pour la compète, donc oui, tu peux plus train. Après, si tu peux encore en solo avec la campagne, tu vas sur le Club Zerator et tu trouveras une case campagne avec les maps dedans. Donc tu peux traîner avec ça, mais pas sur les serveurs, ouais. Voilà. Là, c'est de la safe qui passe. C'est ce que je fais en campagne. Ouais, exactement, voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Ça pue, mais bon, tu seras dans le top 80. Exactement, ouais, ouais. Non, mais je serai dans le top 80 sans problème, on est d'accord. Mais après, si je peux être un petit peu mieux, ce serait cool quand même, quoi. Bon, là, je suis 22ème pour le moment, c'est pas trop mal. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas du tout de train, comme tu le sais. Je m'y suis mis hier soir à l'arrache, donc bon, c'est ok. Comme résultat, c'est plutôt ok. J'ai dû faire un quart d'heure chaque map, peut-être 20 minutes avec hier. 20-25 minutes, mais pas plus, c'est sûr. Oh non, what? What? Mais non, attendez, ça restart là. Pourquoi on est revenu sur Fermader?
L'admin en sueur, c'est sûr. Pourquoi on est toujours map 3 sur 6 On est tous à 0 points, ça recommence. MDR. Bon, écoutez, moi ça me va, ça a permis de m'entraîner. Ok. Et bah écoutez, ça m'a permis de m'entraîner. Round 1, restart. Live now. Ok. 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 Et bah écoutez, moi ça me va bien. Vu que j'avais full choke, ça me va très bien. Of the server have a game setting issue. Ah, les serveurs ont une issue de game settings, donc c'est le truc qui permet de gérer tous les réglages du jeu, du mode de jeu. Donc du coup, apparemment la moitié des serveurs ont eu ce problème, donc voilà. Bon, c'est pas bien gênant en soi. Allez, c'est parti. Oh, punaise. Oh, j'ai vu qu'il y a Aéroglace en dernière map. À l'aide. Oula. Ok, on va se calmer. Ok, voilà. Reset sur plusieurs serveurs, beaucoup de bugs. Ok. Bon, après, c'est la première grosse compétition sur le jeu. Le jeu est sorti il y a 2 semaines. On peut pas leur en vouloir. Bon, j'ai fait un start horrible, par contre, 44ème, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, du coup, je voudrais bien voir la liste de map. Non, je vais pas boire. Je vais arrêter de boire entre les runs. Troisième. 4, 5, 4. 4. Eh bah écoutez, ça fait plaisir ça. Ça c'est cool. Faut que je fasse ce run là maintenant à chaque fois. En plus vous l'avez vu, j'ai release à plusieurs endroits. Mais c'est comme ça de toute façon qu'il faut jouer dans les premiers tours, c'est clair. Hein. Dans les premiers tours il faut release, il faut jouer très très safe. Donc ça me va. Et du coup là je suis 11ème, juste derrière Kenny. Merci Matt dans le chat.
crois que j'ai mon espèce de clim, c'est pas une clim, mais voilà, qui fait du bruit derrière. Si c'est le cas, je suis désolé. Oh non non, j'ai sucé la barrière. Dommage, j'étais 9ème. Oh, ça c'est dommage. Il semblerait que dans le chat, il y a beaucoup de monde qui ait des problèmes de... Genre, ils restart et ça les met sur l'arrivée. Assez étonnant. Le reboot a eu du bon pour toi, ouais, c'est pas faux, Matt, c'est pas faux. C'est vrai. Oh non. What? Bah yes. Bah yes, bah j'ai le même bug que tout le monde. Yes! Ça fait plaisir! Bah yes. Du coup là on fait comment là? C'est... Ouais j'ai pas le choix quoi. Bon bah on va d'elle hein. Bien content de pas avoir participé, tous ces bugs m'auraient fait rager à mort. Ouais c'est pas... C'est dommage. Mais bon. C'est pas grave, après le jeu est sorti il y a 2 semaines encore une fois on le rappelle donc bon... Ça peut se comprendre malheureusement qu'il y ait des bugs. C'est pas la mort. C'est pas la mort du tout. Comme vous le voyez même dans le chat... Bon ça c'est des bugs de connexion, ce que vous voyez là, vous inquiétez pas. Mais comme vous voyez même dans le chat, round 4, go go go. Il est apparu après que j'ai dit bah yes, alors que ça faisait peut-être 15-20 secondes qu'on était en run. Donc voilà. C'est pas... Même le serveur doit être en PLS. D'ailleurs, je pense que ces bugs sont des bugs de serveur. Bon, je suis 27ème, ça devrait aller. Hein. Les serves sont trop chargés, ils auraient dû limiter à 50 par serve. Bah, tu sais, le code a été amélioré, et sur les tests, on tenait à 120 sans problème sur les serves. Donc ils y peuvent rien, les tests ont indiqué que ça allait, donc c'était probablement pas prévoir. Allez, c'est reparti.
Ah, dommage d'avoir touché là. Voilà. Là, j'ai safe et c'était pas mal. Genre, c'était le bon safe à faire, quoi. Oui, là, je suis 7ème. Voilà. Je finis 5, 6. Je finis 6, 7. Attendez. 3, 6. Voilà. Je finis 6ème avec ça. C'est ce qu'il faut faire, hein. Ouais, c'est ça, 6ème. Merci, Matt. Ça fait plaisir, les petits GG, les petits encouragements. Ouais. 61ème, je crois que j'ai jamais eu aussi un aussi mauvais start. Ouais, je prenais trop tard. Hein. Voilà, j'ai encore safe, hein. Vous voyez, je joue safe et je reprends des points progressivement. Hein. Donc en vrai, c'est pas mal comme technique. Hop, ça continue. Ok, ça va, l'air rattrapé. Oh, on a tapé le checkpoint, c'était pas mal ça. Oula, ça par contre c'était horrible. Oh, allez. Oh, dommage. Ouais, j'ai perdu des places dans l'histoire. Oh là là. Après j'ai pas beaucoup de FPS là, hein. Je suis à 50. C'est un peu limite. Je trouve que 50 FPS en stream ça va, mais 50 FPS en jeu c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Assez bizarre et assez étonnant. Ça y est, je commence à avoir chaud là. Comment tu vois tes FPS? J'ai un truc en haut à gauche pour le voir avec ma carte graphique. Mais vous, vous le voyez pas, parce que c'est par-dessus le jeu. C'est la carte graphique qui fait ça, en fait. Qui gère ce truc. Tu t'affiches les FPS de tes jeux. En temps réel. C'est avec Nvidia, GeForce, je sais pas quoi, là. Expérience. I'm coming.
Ok, 7. Peut-être pas 7ème. Je crois que si quand même. Je suis passé en full low avec mon écran 144Hz. J'aimerais savoir si je dépasse au moins les 100fps. Va dans GeForce Experience. Et il y a un petit truc à activer. La touche parenthèse. Oui, ça c'est intégré à Trackmania, ouais. Entre 120 et 144. Ouais, ça va. Tranquille. Là, moi, je suis entre 50 et 70. Hier, ça allait bien mieux. Hier, j'étais sur un serveur ZRT et tout. Et avec les tests, et j'étais à 110, 120. Moi, je voyais à peu près fluide, c'était ok, tu vois. Je pense que c'est parce qu'il y a plus de monde, ou alors, je sais pas, mais enfin. Là, en tout cas, c'est compliqué. Oh, ok, donc là, là, on a Raymontagne. Raymontagne, je vais jouer safe, je pense. Il faut vraiment pas que je cherche à aller vite. Parce que ça, c'est une map où si on joue tranquille, ça va aller, quoi. Ça va, tu régules bien. Ouais, c'est pas trop mal, ouais. Donc là, je vais pas hésiter à release. Normalement, tu freines pas sur la glace, donc je vais pas trop freiner. Mais par contre, je pense que je vais release. Et puis, voilà. Hein. Pire map, faut absolument finir la map là. Ouais, exactement, c'est ça. Là, l'objectif, c'est de finir la map. Oh, si je fais ça en run, ça me va. Hein. Enfin, pour le départ, en tout cas. Ouais. Oh là là. Ouais, là, par contre, ça, c'est pas ouf. Heureusement qu'on est en... Voilà. Oh non! Je voulais me rattraper comme ça. Voilà. Au pire, je ferais ça pour me rattraper. Heureusement qu'on est en warm-up. Ouais, là, faut vraiment pas que j'hésite à freiner. À release plutôt. Pas freiner, mais release. Ok, ça c'est bien. Pas trop mal ça. Ok. Et bah là je pense que je suis pas trop mal. Quatorzième visiblement, un peu plus sûrement. Ouais, 16 en bas à droite, il est noté. Ok, c'est pas mal. Allez, Pinou, juste de passage pour te souhaiter bon courage. Merci Lauriane Bibiche. Merci beaucoup Lauriane. Ça fait plaisir d'avoir un petit message pour me souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Bon, les serveurs sont un peu en PLS, hein, mais bon, c'est pas grave. Du moment qu'on peut jouer, ça me va. Je dis ça parce qu'il y avait noté CP Live en PLS dans le chat ou un truc du style. Et c'est le cas. Aïe. Ok, c'est bon. Oh, la lenteur de l'homme. La lenteur d'un homme. Un délire. Ok. T'es passé de 34 à 16ème, je crois, la moitié des gens en tout cas le dernier saut, c'est fou. Ah, c'est possible, j'ai pas bien regardé. Je fais pas trop attention à ma place. C'est possible. Ouais, non, mais c'est sûr que la...
Beaucoup de gens choquent le dernier saut parce que le saut est juste après un virage. C'est vraiment dur de se redresser droit entre les deux. Tu es avec Carl Junior, bon courage. Et bah... Non, je suis pas avec Carl Junior. Je pense pas que Super Carlouf, ce soit Carl. Carl, normalement, c'est Carl JRTM. Carl Junior TM. Par contre, je suis avec Kenny, Chom Chom, Rin, notamment. Et Kenny, je vois qu'il a un bon niveau, il a de l'entraînement. Hein. Ok, ça c'est pas mal comme start. Ah, là j'aurais pu mieux prendre le virage, mais c'est ok quoi. Oh non. Ok. La concentration, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Ok. Je me suis pas mal rattrapé. Oh, c'était smooth. C'était smooth. Ah. Là j'étais plutôt en mode. Genre yes, c'était smooth. C'est Kenny en même temps. Ouais, c'est ça Kenny là. Il a train. Hein. C'est clair, c'est Kenny. On le connaît. L'important c'est de finir la même GG. Ouais, c'est vrai. Merci. Et bah 12e. 12e avec ça, bah, je suis plutôt content. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Tu t'es bien rattrapé. Ouais. On va continuer à se rattraper comme ça. C'est vrai que j'ai bien rattrapé le dernier saut là. C'était mal parti. Hein. Ok, ça va. Ouais, yeah. Ok, on va faire pareil qu'avant, on va se rattraper. Ça va. Oh là, j'ai bien pris le virage de fin là. Je te laisse, bisous et plein de courage. Merci beaucoup, Lauriane. Merci d'être passé, c'était déjà super sympa. Et là, visiblement, 16, 17e, 18e, en bas à droite, c'est noté. Et vous voyez, on vient seulement d'avoir le message, et en plus, en double du round 3 go. C'est, voilà, les serveurs, ils doivent être surchargés, la machine peut-être qui héberge les serveurs, je sais pas. Mais ouais, visiblement, ça rame un peu au niveau des algorithmes derrière. Mais vous voyez même le live CP à gauche, ici, là, à moitié bugué. Et du coup, j'ai pas regardé combien je suis, mais j'ai dû rester 11 ou 12. Ah, 13e là, 13e, j'ai perdu un petit peu de place, mais c'est pas grave. Bon, du coup, Bétaïs. Ah mais non, c'est le nom qui est pas changé. C'est le nom qui est pas changé. J'étais en train de me dire, mais Bétaïs, c'est la même bobsleigh qu'on a fait juste avant. Oh là là, ça ne pas faire en run. Hein. Oh là là, en dernière, il y a Aléroglace. Horrible, je déteste cette map. Celle-là est la reine des glaces. Horrible, je les veux pas du tout. Je suis déçu qu'il n'y ait pas l'Alpe d'Huez. Enfin, l'Alpe du... Easy. Elle était sympa, celle-là.
Oh, c'était serré là. Dommage. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh non. Horrible. Bon là je suis pas très bon mais c'est pas grave. J'ai déjà pas mal de points. Je l'aime bien moi Aeroglass, je suis top 670 World dessus. Je la récupère pas par contre. Ah ouais, bien. C'est pas mal 670 World. Franchement pas mal. Perso, je la récupère pas non plus. Mais c'est pas gênant pour autant. Moi j'ai juste essayé de la finir parce que j'ai du mal à la finir déjà cette map là. Déjà j'arrive pas à prendre le start. C'est déjà pas bon signe. Ah, j'ai cru que j'avais trop freiné, non, c'est bon. Ok, là c'était pas trop mal. 9ème, juste devant Kenny. Juste devant Kenny. Je galère aussi beaucoup sur ce saut en descente slash virage. Ouais, tu parles du saut à la fin, je pense. Où tu dois jump dans les arbres. Ouais, c'est pas. En fait, je galère pas trop parce qu'il faut faire un drift et relâcher son drift un peu avant pour que la voiture reparte sur la droite. Mais c'est pas facile, ouais. C'est vrai. En fait, j'ai la théorie, mais pas bien la pratique. Oh non, sérieux là? Ouais, juste avant de rouler sur la... Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, faut drift et lâcher son drift un peu avant pour que la voiture ait le temps de réaccrocher et de repartir sur le côté. Mais j'ai beaucoup trop de vitesse. Je suis pas du tout dans le concentré là. Je vous avoue que j'ai reçu un texto qui m'a totalement. Enfin, j'ai vu qu'une bribe du message, mais ça m'a totalement trigger et sorti du truc. Je suis plus du tout dans mon match. Je suis pas du tout concentré là. Il faut que je me reconcentre. Faut que je re-rentre dans le truc. Que je sois dans ma cup là comme j'étais tout à l'heure. Hop là. J'ai du mal à drift et néo drift, faut que je me mette des tutos. Bah drift, c'est simple, c'est quand... Enfin, faut juste accélérer, tourner, freiner. Le néo drift, c'est pas obligatoire. Franchement, c'est pas du tout obligatoire. C'est très, très surcoté, notamment par un certain Zerator. Mais en vrai, c'est pas du tout obligatoire. Genre, c'est un bonus, c'est sûr. Mais c'est pas obligatoire du tout. Bad Lulu était arrivé en demi-finale, je crois que c'était lui. Ou Bren, je sais plus. D'une ZRT, il y a de ça sur la cup 2, 3, peut-être 4, mais je crois que c'était la 3. Il y avait un joueur qui était en demi et qui savait pas Néo, hein, et c'était pas du tout dérangeant. Le Néo, c'est très très surcoté. Après, c'est utile, c'est vrai que c'est une façon de safe les drifts, d'être sûr que ça drift et tout. Pas manger de no drift, mais bon, faut pas, c'est pas la clé qui va te faire gagner 4 secondes. Quoi. Ok, ok.
Oh non, sérieux là? Heureusement que je fais ça en warm-up, hein. Les gens qui sont perdus là. Tu gères les tuyaux? Ouais, ouais, les tuyaux, c'est pas mal, ouais. Ah là, j'aurais pas un mauvais respawn, en vrai, ça serait bon aussi. Hein. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai safe, hein. Pourquoi j'ai mangé ça, là? Oh, le mec mauvais. Oh non, sérieux. Oh, c'est nul ça. Deux fois d'affilée, je choque l'arrivée. En fait, le zigzag là, le S, où je suis ressorti et ça m'a... J'avais trop de vitesse avec la route bump et du coup ça m'a fait aller dans le mur. Ça m'a trigger là. Là, j'étais perdu là. En fait, si je fais un truc mauvais sur mon run, après j'arrive pas à me remettre dedans, je choque tout le run. Cette fin, combien de fois je me suis pris un obstacle, purée. En fait, il faut que tu te mettes le plus à gauche possible du virage et que tu vises le bout de muret blanc. Et normalement, t'es un petit poil décentré sur la gauche du rond et du coup, tu finis bien. Après, c'est difficile de viser à ce point-là, hein, mais si t'es à la manette, c'est à peu près faisable. Kenny qui remonte bien là, Kenny quatrième. Incroyable. Oula. C'était quoi ce bruit là? Ça m'a... J'ai rien compris. Oula. Ça fait encore... What? Mais ça... Oula là. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça fait ce bruit de fer là? La voiture, elle se comporte pas pareil dans les virages. Ok, là, ça va, là. What the fuck? Tu vois là, tu te mets le plus à l'intérieur possible et tu vises le bout de muret blanc là en haut. Hop. Là j'ai pris un poil à gauche mais t'as compris. Non mais c'est quoi ce bruit là? Comme si le bloc il était différent. «
Oh non. Ouais, j'ai vu Kenny solide, ouais. Ouais, c'est clair, Kenny très solide. Mais c'est bien, franchement, c'est cool. Content pour lui, le petit Kenny. Oh là là. Oh non, allez, allez. Oh non, mais punaise. Ah, et là, je suis trop à droite. Ouf, je crois que je vais pas finir. Et bah, cette map que d'habitude, je réussis bien, elle me réussit pas du tout là. Hein. Bon, la dernière, enfin de ce round. Allez, Roglas. Bon, celle-là, ça va être compliqué, hein, je sens. Je suis 15ème de toute façon, je passerai dans tous les cas, mais. J'aimerais bien finir une ou deux fois la map quand même. Ah, si je la réussis bien en warm-up. Ah, quand même. Kenny qui essaye de mettre la pression au mec qui est juste devant lui au classement. Je te spec, on est 12K. What the fuck? Je sais pas pourquoi ça a démarré différemment. Sérieusement là. on met des points de style cette fois-ci. Là j'ai fait un 720. On joue les points de style. Oh la vache, le mauvais. GG. Merci, c'est vrai que j'ai fini la map. C'est cool ça. La map et des points de style. Nickel chrome. Oh non, j'ai les mains dans le micro. Ça a dû vous faire plein de bruit, je suis désolé si c'est le cas. J'avais les mains qui touchaient le bras de micro. Oh non. Dommage. Oh non. On m'avait dit de monter là-haut. On m'avait dit tu passes entre les deux poteaux et comme ça tu continues à monter. Ouais, un peu comme ça mais mieux quoi. Et puis là faut bien être droit. Ok, c'est bon. Kenny premier de la map. Avec 3 secondes d'avance. Incroyable. Et il va faire 3ème, hein. Il est en train d'écrire l'histoire comme Grégory Le Marchal, hein.
Oh non. Bon alors là, ça s'annonce compliqué là. Ok, je me suis pas mal rattrapé. Oh non, bah non, je vais réussir à me rattraper. C'était nul, c'était si moche. Vous avez dû bien vous marrer et je vous comprends totalement. Ah ok, bah là, bah yes. Mais là, mais encore mieux, mais super, franchement, trop bien. J'aime cette map. Ih. Non mais non, bah non, stop. Ok, c'est bon, c'est reparti. C'est n'importe quoi. Vous avez dû bien rire sur ces deux moves là. Comme vous le voyez, la glace n'est vraiment pas mon élément. Oh là là, j'ai fini une deuxième fois, yes. Finir une deuxième fois la map, achievement gate. Incroyable. Bon allez. On essaie de faire mieux que top 20, je suis 17 là. J'arriverai peut-être à être en dessous de 20. En théorie, je vais peut-être même être 18ème si je loupe ce run. Oh bah yes. Non mais non mais... Faut retrainer la glace pour les prochaines cups. Ouais ouais, c'est clair. Mais c'est surtout là, ce... En fait, j'ai l'impression de jouer à Total Wipeout. Et pour moi, c'est trop, j'arrive pas là. C'est trop trop différent. Le glide là, c'est vraiment trop trop différent de des logiques et physiques habituelles de Trackmania Stadium et du coup j'arrive pas à bien assimiler le truc. En fait pour moi c'est un autre jeu là, c'est Total Wipeout, c'est pas Trackmania tu vois. Et encore même Total Wipeout c'est plus simple à jouer je trouve. Enfin du moins c'est plus simple de manier la voiture, enfin le vaisseau. Genre là, ça glisse tellement genre... Allez, bon tu me diras c'est le principe de la glace. Je te répondrai que effectivement, mais quand même. Par contre Kenny régu de ouf. Hein. Kenny il est bon là hein, cette année. Hein. Franchement, très étonné mais très content pour lui. C'est mérité. Vous le voyez, il va finir 4ème, peut-être même 5. Non. 4ème normalement. Donc franchement, bah respect Kenny. Très très étonné et franchement GG. GG.